Depuis 10 ans, Dieudonné est persécuté pour oser tourner en ironie une idéologie bien pire que le nazisme, le sionisme, dont les enseignements se trouvent dans le Talmud, un livre qui compare les non-juifs à des singes, qui autorise le viol des enfants non-juifs et le vol des non-juifs. Comme quoi, la liberté d'expression est une notion à géométrie très variable. Le Talmud est autorisé, Dieudonné est interdit. N'écoutez pas Dieudonné, c'est un antisémite. L'accusation d'antisémitisme est pratique. Dieudonné ne peut pas parler des juifs, c'est interdit. Il ne peut pas dénoncer par son humour les dérives et les crimes des sionistes. Là, la liberté d'expression s'arrête. La Shoah, 6 millions de morts, paraît-il. Un des seuls faits historiques qu'on ne peut remettre en question.